Hello, on se retrouve pour un premier tuto avec la collection Un Noël pétillant de la fête du scrap. Donc, je vous l'ai dit déjà dans les présentations des collections et puis dans d'autres tutos de la collection précédente automne. Voilà, à partir de maintenant, je vais alterner les tutos. Vous aurez aussi des tutos Noël puisque la collection vient de sortir. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser une déco de table. Je vous ai fait juste un petit modèle comme ça pour vous donner une idée. Il n'est pas collé comme il faut ni rien du tout, mais c'est pour vous donner une idée. Donc ça, c'est un porte-couvert et menu. Donc là, on glisse son petit menu à l'intérieur et c'est couvert ici. Donc on va le réaliser ensemble, le décorer et puis voilà, faire un petit montage avec les tampons. Et on fera aussi un petit marque-place tout simplement qui puisse tenir debout comme ça. Ça paye pas de mine à regarder comme ça, mais une fois décoré, vous verrez, ça peut être très sympa et ça peut faire très joli sur une table. Voilà, vous avez votre porte-couvert à côté et dans l'assiette, vous pouvez mettre votre petit marque-place. Je trouve que ça peut être très joli. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par couper la structure des deux éléments. Où est-ce que j'ai mis mon petit carnet avec mes mesures? Bien évidemment, j'avais emmené à l'autre bout de la maison ce dont j'avais besoin. Donc, on va partir d'un morceau de papier blanc. Donc, c'est du cardstock non texturé blanc. Je vais venir couper une bande de 21 cm pour commencer. Hop. Donc de 21 cm de large par 30,5 cm de haut. Vous gardez votre hauteur. Hop. Et il nous restera ce petit morceau qu'il faut bien conserver. Vous allez voir. Donc pour l'instant, on va s'occuper du pliage du porte-couvert. Range menu, on va dire, on va l'appeler comme ça. Hop. Donc je prends mon massicot de pliage, je vais prendre mon petit outil de pliage, et alors que je ne dise pas de bêtises, hop, on va venir faire un premier pli à 8,5 cm. C'est suffisant, j'ai testé pour mettre les couverts à l'intérieur, ça rentre. Hop, donc premier pli à 8,5. Du coup, deuxième pli à 17 cm, on fait dans le sens des 21 cm, dans le sens des 30,5 cm, donc dans le sens de la longueur. Je dis une bêtise en plus. Donc premier pli 8,5, ensuite 17 et enfin 25,5. Hop là. Donc là, on a marqué tous les plis de notre structure. Hop, je range ça. Oups, j'ai mis un coup dans le téléphone, excusez-moi. C'est l'inconvénient quand on a un tout petit espace de travail, du coup, des fois, on fait des bêtises. Donc ensuite, hop, je vais venir prendre un petit support pour pouvoir me mettre dessus. Et je vais venir, c'est juste pour que ça soit remattable, elle a tendance à s'enfoncer quand je m'appuie dessus. Je vais juste me mettre sur quelque chose de rigide. Où est-ce que j'ai mis mon cran de papier? Ici. Il me faut ma grande règle. Donc, je vais juste m'aligner avec. Bon, ça tombe bien que c'est un tapis rainuré en plus. Je vais bien mettre où sont mes 8,5. Bien pile. Et ensuite, je vais venir tracer mon marquage à 8,5 à l'angle en bas à droite. Alors, prenez toujours un petit millimètre de décalage parce qu'au traçage, du coup, sinon, vous allez avoir un petit décalage. Donc ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. Hop. J'ai tout fait tomber ce que j'avais posé sur le côté. Voilà. Donc là, la structure, elle est quasiment terminée en fait. On va juste venir découper sur notre trait. Hop, je vais essayer de bien m'appliquer. Alors si vous coupez juste derrière le trait, c'est pas gênant. Ça ne change rien puisque de toute façon, ça ne va pas se voir. Normalement, ça se voit pas. Sur mon essai, ça ne se voyait pas. Bon, après, le papier était foncé alors. Mais normalement, ça ne devrait pas se voir. Je coupe pas droit du tout, c'est une horreur. Je suis incapable de couper très droit à la main sur une grande longueur. Un tout petit morceau, il n'y aura pas de souci. Mais alors, vous voyez, je me suis décalée plusieurs fois. Bon, un petit millimètre, ça va absolument rien changer. Rassurez-vous, si vous êtes comme moi, c'est pas du tout grave. Donc ensuite, je vais venir marquer mes plis. Donc je les appuie bien chacun leur tour. Donc on plie une fois, on ramène vers l'intérieur. La deuxième fois, on plie vers l'extérieur.
Et la dernière fois, on plie à l'intérieur. C'est important, sinon ça ne va pas se fermer. Bon, bah, j'ai dit une bêtise, on voit un petit peu. Il faudra que je mette un petit coup de gomme ici. Ma petite gomme. Ouais, comme j'avais fait sur un fond foncé, je ne me rendais pas compte ce qu'allait être du côté visible. Bon, après, c'est que du cran de papier. Hein. Heureusement, ce n'est pas du feutre, ça s'enlève tout seul. Donc voilà, votre pliage est fait. Je vais aussi venir mettre un petit coup de gomme ici pour cacher mon petit marquage. Donc voilà, le système est fait. Donc on plie vers l'intérieur, puis à l'extérieur et de nouveau vers l'intérieur notre petit rabat. Je ne vais pas coller tout de suite parce qu'il faut d'abord venir mettre la déco. Ensuite, la petite bande qui nous restait. Donc ça va nous permettre de réaliser notre petit marque-place. Donc on va prendre la largeur totale qui nous reste par 13,5 de longueur. Hop là. Alors je me mets bien sur 13,5. Hop. Et ensuite, on va venir faire des petits plis, bien évidemment. Alors, hop. Je vais mettre de côté mon petit marque-place. Pas mon marque-place, je dis une bêtise. Alors aujourd'hui, je suis Madame Catastrophe. J'ai dû me cogner déjà 15. Voilà. Je fais bouger la table. Je n'arrête pas de faire des conneries. Je suis désolée. Ça va être la foire aux bêtises. Déjà, si je ne me trompe pas dans les chiffres, ce sera déjà plutôt pas mal. Donc, on va faire nos petits plis. Donc, premier pli à 4 cm. On va plier tous les 4 cm, en fait. Donc, premier pli à 4 cm. Deuxième pli à 8 cm, bien évidemment. Tous les 4, on a dit. Et un dernier pli à 12 cm. C'est pas... c'est très bien, cette mesure, parce que du coup, je n'ai même pas besoin d'ouvrir le massicot complet. Vu qu'il rentre à peine sur la table, c'est très pratique. Donc voilà, et il vous restera un petit rabat d'1,5 cm qui va vous permettre de venir coller. Donc, on marque ces petits plis. Hop. Alors, on les marque tous, ils vont tous dans le même sens, hein, bien évidemment. Hop. Et ensuite, il vous restera plus qu'à venir mettre la colle ici. Pour fermer votre petit marque-place et il sera fait. Je vous l'ai dit, hein, c'est un tuto très simple, mais c'est plus la déco qui m'intéressait, voilà, que la structure en elle-même, elle n'a rien de compliqué. Donc ensuite, on va s'occuper des papiers décoratifs. Et puis après, on fera la déco à proprement parler. Hop, je vais enlever la grande règle, j'en ai plus besoin et elle prend de la place. Donc j'ai choisi deux papiers de la collection. Donc j'ai choisi celui-ci qui s'appelle Étoile Beige. Je vous le remonte d'un petit peu plus près pour celles qui n'auraient pas vu la présentation. Et celui-ci qui s'appelle Cristal Multicolore et que je trouve vraiment très 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 beau celui-ci. C'est vraiment mes deux chouchous, je crois, de la collection. Alors, il y en a d'autres que j'aime beaucoup, notamment dans les tons d'un peu lilas. Mais ces deux-là, ils sont vraiment trop beaux. Donc pour commencer, on va couper les deux morceaux qui vont venir habiller notre petit marque-place. Hop. Donc je vais venir couper une bande de 4 cm de hauteur, tout simplement parce que je n'ai pas besoin de plus, puisque j'aurai assez en longueur pour pouvoir découper mes deux côtés dedans. Ah mince, j'ai fait 4 cm, je suis bête, c'est 3,5. Eh bien oui, puisque j'enlève toujours 0,5. Donc je vais essayer de bien me mettre droite. Hop. Et on va recouper les 0,5 en trop. Ça peut toujours servir, ça fera une petite bande d'étiquette. Et ensuite, je vais venir découper ma longueur. Alors, je ne me rappelle plus combien il fait en longueur. Il mesure donc 9,5 cm. Donc on va partir sur du 9 cm. Il fait même un petit peu plus, j'ai l'impression. 9,6. Donc je vais partir sur du 9,1 pour bien avoir que 0,5. Hop, 9,1. Et puis je vais prendre mon ciseau que j'ai dû mettre quelque part. Oui, là. Et je vais ébavurer un petit peu parce que mon massicot, voilà, vous avez l'habitude, vous savez qu'il aime bien me charpiller mes papiers. Et j'en ai marre de changer les lames, donc je les aiguise, mais j'ai découpé plein d'autres choses avant, et du coup, bah voilà, il ne veut plus rien savoir déjà de nouveau. Donc je le réaiguiserai pour le prochain tuto, si j'y pense. En fait, le truc, c'est qu'une fois que mon tuto est fini,
Je pense plus à l'aiguiser. À chaque fois, je me dis, ah mince, je ne l'ai pas aiguisé finalement. Donc là, on a découpé les deux morceaux qui vont venir habiller notre petit marque-place. Donc, vous le mettez bien en position pliée pour voir les deux parties que vous allez venir habiller. Donc, c'est la deuxième et la troisième. Celle qui est, on a la petite languette de rabat pour coller. Il faut coller celle-ci et celle-ci. Donc, je vais prendre un petit peu de scotch, un ciseau, hop, et je vais venir coller mes deux morceaux. Hop, je vais mettre une bande en haut et une bande en bas parce que celui-ci, je trouve qu'il ne colle pas très fort. Pourtant, ils ne sont pas donnés, les scotch double face. Je trouve que les prix, ça a beaucoup. Bah, alors, comme tout, hein, l'inflation, je ne sais pas vous comment vous le vivez au quotidien. Mais moi, je trouve que ça devient très compliqué, même pour se nourrir, pour tout, entre l'essence, la nourriture et tout ce qu'on peut acheter à côté. Tout devient de plus en plus cher. Et même le scotch, je trouve que ça a bien monté en prix. Avant, acheter du scotch double face, ça coûtait que dalle. Et maintenant, c'est hyper cher. L'autre fois, j'ai voulu aller acheter un magasin de beaux-arts parce qu'on était passé en ville et qu'il y a un magasin de beaux-arts. J'ai voulu acheter du double face. Le rouleau, il coûtait 9,50 €. Oui, ok, il est de très bonne qualité. J'en avais déjà acheté. Mais 9,50 €, ce n'est que du scotch. Du coup, maintenant, je vais beaucoup plus coller à la colle. J'ai pas mal de rouleaux d'avance parce que quand j'en achetais, je faisais du stock. Mais là, j'avoue que franchement, je vais repasser à la colle pour pas mal de choses, surtout dans les albums, etc., ou pour en user moins, parce que je trouve que c'est clairement... c'est clairement trop cher, quoi. Alors, je sais qu'on va me dire, oui, mais la matière première coûte plus cher. J'en ai bien conscience. Le problème, c'est que les salaires, ils n'ont pas augmenté, eux, ou très peu. Donc, pour ceux qui ont la chance que ça arrive, mais... Bon, en tout cas, voilà, j'ai pas d'augmentation en vue. Donc, du coup, je trouve que c'est très compliqué au quotidien. Donc, voilà, mon petit marque-place est habillé avec son petit papier. Je vais venir faire l'habillage du porte-couvert menu. Et puis après, on va passer à la déco. On va créer le petit menu. Donc, le menu, ce sera un tag comme ceci. Je vais venir le travailler avec des angles parce que je veux qu'il ressorte un petit peu à l'intérieur. Mais là, on va commencer déjà par l'habillage. Alors, il ne faut pas que je dise de bêtises. Déjà, j'ai mon fond à habiller. Donc, le dos, on va partir sur un 8 × 20,5. Hop. Donc, je vais reprendre ce papier-là, parce que je voulais que l'habillage soit dans celui-là, pour être coordonné un petit peu avec, avec mon petit marque-place. Même si, au final, on va pas... Alors, 8 × 20,5, pourquoi j'ai dit... Ah non, c'est pour le dos, ça, je suis bête. Peut-être que ça vaut pas le coup du coup que je le fasse en entier. Ouais, c'est pas grave. Hop. Donc là, on va faire 8. Donc là, je me trompe. Hein. Je veux faire l'intérieur. Donc je ne vous ai pas donné la bonne mesure. L'intérieur, c'est 8 × 10. 20,5. Ah bah si, je peux faire les deux, nickel. Ça rentre normalement. Donc 20,5. Non, ça ne va pas rentrer. Ah, mais parce que j'avais coupé une bande en haut. Je suis bête. Hop. Donc là, c'est ce que je vais venir mettre à l'extérieur, là, ici, de ce côté-là, donc au dos de mon menu. Et je voulais mettre exactement le même à l'intérieur. Est-ce que ça ressort bien sur le bleu ou est-ce que je reste sur les tons bleus? Non, ça matche bien. Donc, je vais recouper une bande de 8 cm. Hop là. Donc là, je vais prendre 8 cm toujours, mais 10 de hauteur. Hop. Il est où le 19, 10? Parce qu'en fait, je me suis basée par rapport à la hauteur de cet endroit-là. Voilà, pour que ça ne dépasse pas. Je vais vérifier d'ailleurs que je suis bonne. Je ne me suis pas trompée dans les mesures. Ouais, j'ai 8 et des poussières, donc 10, c'est parfait. Hop. Donc 10 cm. Et celui-ci, hop, je vais venir le coller tout de suite. Je vais prendre mon gros scotch parce que c'est celui qui tient le mieux. Et puis au moins, ça colle quasiment toute la surface d'un coup. Hop. Puis soyons honnêtes, celui-ci, il ne coûte pas cher du tout. Il faut quand même essayer de trouver des solutions d'économie pour ce genre de choses. Moi, c'est vrai que je suis une madame scotch. J'ai l'habitude de fonctionner comme ça. Pourtant, j'aime bien la colle aussi, mais pour d'autres choses, pour coller mes papiers, c'est vrai que j'ai l'habitude de prendre du... Alors, je suis juste en train d'ébavurer mon morceau parce que j'ai oublié de le faire.
Donc celui-ci, je vais venir le positionner. Hop, je vais ouvrir pour être plus à l'aise. Donc là, je le positionne à peu près à 0,5 pour avoir le même espacement de partout. Et je viens le coller puisque de toute façon, après, on va fermer. Et celui-ci sera collé le long, donc on ne verra plus. Et je vais venir coller le dos aussi. Donc le dos, je vous le redis les mesures, il fait 8 par 20,5, soit 0,5 de moins que la structure elle-même. Hop là. Hop. Alors ce système de petites pochettes à couverts menu, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, mettre vos couverts ici. Alors ils vont, ça va être chaud parce qu'ils vont peut-être pas avoir assez de place pour dépasser. À tester, mais vous pouvez aussi, j'y avais pensé, je vais pas le faire dans le tuto, mais vous pouvez aussi rajouter à l'arrière des petites enveloppes, alors soit dans ce sens là soit dans l'autre, pour venir glisser par exemple une petite carte cadeau, etc. Quand vous êtes qu'avec des très grands et qu'il n'y a plus de tout petit, voilà, des fois on fait des petites cartes cadeaux et vous pouvez venir les glisser au dos de votre comme les places sont nominatives avec les petits marque-places, vous pouvez venir glisser du coup à l'intérieur de au dos de votre structure des petites pochettes, des petites enveloppes. Voilà, pour faire joli, pour mettre vos petits cadeaux à l'intérieur. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas envie, venir par exemple glisser de la déco. Je ne sais pas, dans l'idée, je vais vous prendre un grand feuillage, par exemple. Voilà, venir prendre des grands feuillages et faire comme un bouquet qui s'échappe. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'y mettre votre menu. Votre menu, vous pouvez rajouter un petit rabat derrière et venir glisser le menu à l'arrière. Voilà, vous pouvez le mettre ici, rajouter une petite pochette. Vous faites une petite encoche et vous le mettez derrière. Et ici, par exemple, venez faire une déco en plus. Donc, vous aurez de la déco ici, bien évidemment. Mais vous pouvez aussi en y rajouter un bouquet ou ce genre de choses. Je vous donne des idées qui me sont venues, voilà. Moi, j'étais partie sur une idée et quand j'ai une idée, j'ai du mal à faire autre chose. Mais je voulais vous dire aussi qu'il y a d'autres possibilités. Donc, ensuite, pour le morceau qui va venir habiller ici, il va nous falloir un morceau de 20,5 de hauteur, puisqu'on a 21 au maximum, par 8 de large. On coupe la longueur totale et après, on va venir tracer pour couper en biais. Je préfère procéder comme ça. Mon petit scotch, il m'embête, ma règle aussi. Hop, hop. Lui, il traverse de l'autre côté. Donc, on a dit 8 cm de largeur par 20,5 de haut. Hop. Et ensuite, je vais reprendre l'autre papier où je vais venir découper pour la partie du bas un morceau de 12,5 de haut. Hop. 12,5 de haut par 8 de large. Est-ce que j'étais pas déjà à 8? Si, c'est bon. Ouais, c'est ça, nickel. Donc là, j'ai oublié de recouper. C'est 8 de large, mais c'est 20,5. Je coupe les deux morceaux qui vont venir habiller l'extérieur de mon porte-couvert, tout simplement parce qu'après, il va falloir que je vienne faire une petite marque pour savoir à quelle hauteur je vais couper en biais. Donc comme ça, ça me permet de faire les deux d'un coup. Donc pour le premier, le rabat du haut, on va jusqu'à 12,5 de hauteur. Alors pourquoi 12,5? Là en fait, j'ai 13 cm. Et j'enlève toujours 0,5, donc je vais faire une petite marque à 12,5. Donc là, hop, je retourne mon papier. Je vais faire une petite marque à 12,5 de haut. J'ai encore perdu mon cran de papier, c'est un truc de fou. Lui, je l'aime pas, ce cran de papier, il veut pas. Pourtant, c'est un vrai cran de papier de scrapeuse. Mais je le perds tout le temps. Parce que sa couleur, c'est la couleur identique. Vous voyez pas le bureau qui est juste ici, mais il est marron clair comme ça. Donc du coup, à chaque fois qu'il est posé dessus, je le vois plus. Donc dans la hauteur des 20,5, on va venir faire une petite marque à 12,5. Donc 1, 2, 3, 4. Faut que j'enlève mes doigts, c'est plus pratique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12,5. Donc ici, à cette hauteur-là. Donc on est sur celui-ci. Hop. Hop. Donc ça, c'est pour le premier. Dans celui qui fait 20,5 de haut par 8 de large, on fait une petite marque à 12,5. Et ensuite, dans celui-ci, hop. Donc ça, c'est le rabat du bas. Donc la fente, elle doit être... Ouais, on est bon là. Je vais venir tracer. Hop. Il faut que je vérifie que le côté où je trace, c'est bien le bon. Je ne fais pas une bêtise. Vous allez comprendre ce que je veux dire. En fait, je ne veux pas que ma découpe, elle soit du mauvais côté. Il faut que je vérifie que je coupe bien du bon côté.
Donc là, si je coupe comme ça, je serai... Oui, la fente sera bien du bon côté. Et elle est bien en dessous de ma démarcation. Ouais, je suis bonne. J'ai fait dans le bon sens. Donc ensuite, celui-ci, le plus petit, donc celui qui fait 12,5 de haut par 8 de large, on va faire une petite marque à 4,5. 1, 2, 3, 4, 4,5. Et là, je vais tracer de ce côté-là, si je ne me trompe pas, pour que ça tombe comme il faut. Hop. Voilà. Donc celui-ci, il est dans ce sens-là, et j'ai coupé de ce côté-là. On est nickel. Je vérifie qu'avec le décalage, je sois bonne. Là, on est vraiment à ras. Est-ce que j'ai pris la longueur totale? Du coup, ça serait plutôt 4. Ah, on n'a pas 5, on a 4,7. Donc, je vais enlever encore un petit peu. Je vais gommer pour ne pas avoir le trait qui me gêne. Donc, prenez pas 4,5, on a un tout petit peu moins. Je vais prendre plutôt 4. Hop, ici. Et hop, je viens tracer. En fait, c'est tout simplement pour que j'ai bien mes 0,5 partout, parce que si j'ai un endroit où ça va jusqu'au bord et pas le reste, ça ne fera pas joli. Donc, si je le positionne comme ça, je vois mon trait par transparence. Je suis où, là? Ouais, on doit être pas mal. Oh là là, je suis trop haute, là. En fait, j'essaie de le positionner comme ça et de voir où est-ce qu'atterrit mon morceau. Ouais, on est nickel. Donc là, je peux les découper. J'espère que j'ai été claire parce que j'ai pas l'impression. Donc là, je viens recouper mes deux parties. Alors là, par contre, essayez de couper bien droit. Sinon, ça va se voir et ça ne sera pas très joli. Et bien sûr, le trait que vous avez tracé, pas à droite ou à gauche. Hop là. Hop. Donc maintenant, je vais venir mettre mon scotch dessus. Je vais enlever ça parce que... En plus, ça brille avec la lumière. Hop. Petit ciseau. Donc, je vais mettre un morceau de gros scotch sur la partie la plus haute. Hop. Sans que ça dépasse. Et puis, je vais venir mettre un petit bout de scotch, voilà, pour compléter sur le haut. Hop. Pareil sur celui-ci. Hop là. Hop. Et je rajoute une petite bande ici. Ah, donc je vais commencer par coller le plus grand. Hop là. Donc je viens me positionner mes 0,5 un peu de partout. Et après, je viens coller. Ah, j'ai un léger décalage. Heureusement, en marouflant, comme on dit, ça va se remettre comme il faut. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller le deuxième. Je me suis un petit peu décalée en collant. C'est pas très grave, ça se voit pas. Hop. Donc celui-ci, je vais essayer vraiment de coller nickel. Hop, je me mets bien à mes 0,5. Ça va être compliqué d'avoir mes 0,5 tout le long, en fait. C'est pas joli. Ça ne fait pas droit du tout. Alors d'un côté, je vais avoir quasiment pas de décalage et là, je vais en avoir un bon. Je m'y suis mal prise. Coupez mieux que moi, j'ai envie de vous dire. Pourtant, mes mesures fonctionnaient sur mon modèle. Mais là, ça ne fonctionne pas. Ou je l'ai mal collé, je ne sais pas. Je l'ai certainement mal mis en le positionnant. Ce n'est pas très, très grave. De toute façon, avec la déco, ça sera quasiment invisible.
Donc, quand vous avez fini ça, je vais venir prendre du double face fin et je vais venir coller tout le long de ma du premier rabat. Donc, je mets du scotch sur toute la longueur. Alors, vous le mettez bien à fleur. Sinon, après, si vous voulez reprendre mes mesures, le menu, il va être trop grand. Il ne va pas rentrer. Et on vient mettre un petit morceau en bas pour fermer notre pochette. C'est pour éviter que votre menu se fasse la malle par le dessous. Hop. Donc là, on n'a plus qu'à faire, qu'à coller. Hop là. On s'aligne bien et on vient plaquer. Donc comme c'est pas encore collé ici, profitez-en pour bien venir appuyer pour que votre scotch tienne bien. Ensuite, on va venir mettre un morceau de scotch hop, sur ce rabat-là. C'est le rabat qu'on va coller et pas que la pochette. Hop. Et après, vous venez bien mettre un morceau en bas, puisqu'il faut que ça soit plaqué. Ensuite, on va venir mettre un petit morceau de double face en bas pour finir de fermer notre pochette. Donc, on va le mettre sur toute la longueur, bien évidemment. Alors, mettez-le vraiment à ras, sinon après, pour vos couverts, ça va être compliqué de les faire rentrer. Hop. Et une fois qu'on a fait ça, bah, il ne nous reste plus qu'à venir coller. Hop. Donc, on vérifie que tout est bien aligné. Là, quand je rabats, je vois qu'il y a un tout petit léger décalage de même pas un millimètre. Donc, vous venez le reprendre tout de suite parce qu'après, une fois que ça sera collé, ça sera beaucoup moins pratique. Et on vient bien s'aligner sur le bas. Et on plaque bien avec les doigts pour être sûr qu'on soit nickel. Hop. Et ensuite, vous venez vérifier par en dessous que vous n'avez pas de décalage avec les parties du dessus. Alors moi, j'en avais un infime, mais je l'enlève quand même. Voilà, là, on est tout bien aligné et tout bien droit. Donc voilà, la structure elle-même est complètement terminée. On a notre petit marque-place et notre porte-menu... porte-couvert menu. On va venir faire la déco du petit menu ensemble. Alors, je ne vais pas écrire le menu hein, parce que ça prendrait très très longtemps et puis parce que je ne l'ai pas encore décidé et puis parce qu'on décide ça en famille. Mais on va au moins venir travailler le fond, voilà, faire la petite déco du fond pour pouvoir après le glisser dans notre truc. Alors, j'ai prévu du ruban aussi, donc un ruban bleu. Voilà, je pense qu'il peut matcher pas mal. Je vais regarder maintenant que la structure est faite, il ne choque pas trop. Non, ça va. En fait, j'ai sorti tout ce que j'avais, je ne vous dis pas, sur ma table là, de l'autre côté, parce que j'ai une table de chaque côté. Il y a des tonnes de rubans bleus de toutes les sortes pour les différents tutos que je vais vous filmer, pas devoir, parce qu'il n'y a pas d'obligation. C'est bon, c'est ce que je fais ce que j'ai envie de dire. Et c'est vraiment ce que j'apprécie avec la fée, c'est-à-dire que elle n'est pas du tout contraignante. Bien sûr, il y a un nombre de créations à faire, hein, comme toutes les DT et comme tous les partenariats, etc. Mais franchement, moi, je fais toujours de façon beaucoup plus que ce qu'on me demande parce que le scrap, c'est ce que j'aime et puis je m'éclate à le faire. Et surtout, j'adore les produits faits. Du coup, voilà. Mais sinon, voilà, c'est vraiment un partenariat on ne peut plus agréable. Trêve de blabla, on passe à la déco du petit marque-page. Alors, je vais travailler mon fond avec une encre Distress. J'ai choisi la Shipped Sapphire. Donc, je l'ai sortie en classique et en oxyde. Et j'ai fait un petit test de différentes teintes de bleu, etc. pour voir ce qui marchait le mieux avec la collection. Donc, dans ceux qui sont mes chouchous, il y a la Shipped Sapphire, c'est celle-ci. On a celle-ci qui est la Stormy Sky, que j'adore. Et je trouve qu'il va très, très bien aussi avec... Là, je vous montre sur celui-ci. Je me suis servi celui-ci où il y a vraiment toutes les couleurs. Celle-ci, elle va très bien aussi. Celle-ci aussi. La Blueprint Sketch, elle est plus bleutée, mais je trouve qu'elle passe pas mal avec. Celle-ci, c'est la Shaded Lilac. Donc, c'est un bleu violacé. Lilac, qui est très joli aussi. Et là, on a la Scattered Straw, qui est une sorte de... Non, c'est la Tie-Dye, c'est là, je dis une bêtise, c'est la Tie-Dye. Et là, j'ai pris la Scattered Straw pour le côté un petit peu gold. Voilà, c'est celle qui me servira à faire
un peu comme du doré, à moins que je prenne aussi un peu du doré dans mes palettes Prima, c'est possible aussi. Donc là, je vais commencer par venir travailler mon fond. Donc je mets de l'encre sur mon petit papier, mon petit sac plastique. Je vais prendre mon petit pchit d'eau. En fait, je vais venir faire des taches, puis par-dessus retravailler avec un pochoir. Hop. Donc, hop là. Alors, elle paraît un peu foncée, mais elle va s'éclaircir en séchant, vous inquiétez pas. Hop là. Puis voilà, c'est les couleurs de la collection. Donc, moi, ça me gêne pas. Donc, ensuite, je vais sécher tout de suite. En espérant que mon papier, mon Painton, ils veulent bien ne pas trop gondoler. De toute façon, après, c'est pas grave. Au pire, je le mettrai sous presse. De toute façon, je vais pas écrire mon texte tout de suite, donc c'est pas dramatique. Hop, moi je fais toujours ça après. Hop, ça permet s'il restait des petites gouttes. Je vais le réchauffer un petit peu de l'autre côté pour essayer de le remettre un peu plus à plat. Mais il n'est pas trop gondolé, je trouve. Pour une fois, ça va, ça n'a pas trop réagi. Hop, j'ai dû mettre sur le bon dosage d'eau, on va dire, pour une fois. Hop. Donc là, j'essuie le mouillé en dessous. Lui, je vais le mettre de côté. Je le laverai après. Hop, et maintenant je vais venir prendre la version oxyde. Je vais quand même faire comme je fais toujours un petit test parce que du coup des fois entre les oxydes et les classiques, je trouve que sur certaines couleurs on a une sacrée différence. Donc je veux juste m'assurer que ouais, si c'est bien la teinte que je souhaite. Hop, donc celui-ci de pochoir, c'est le pochoir boule à facettes. Voilà, je cherchais son nom, il voulait pas revenir. Donc il fait partie aussi de la collection à Noël pétillant de la fée et je l'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous aurez déjà vu mon haul, j'ai un doute. J'en ai fait deux pour être exact, commande de petites choses pour compléter chez la fée. Et du coup, j'ai pris un autre pochoir, le pochoir cristaux. Mais vous verrez, il est très joli aussi. J'ai hésité à utiliser celui-ci parce que c'est le motif qu'on retrouve sur le papier. Mais du coup, je trouvais que ça faisait un petit peu redondant. Donc, de reprendre exactement le motif du papier, je ne trouvais pas ça très original. Donc, du coup, j'ai pris la boule à facettes parce que je trouve qu'il est vraiment très joli celui-ci. Puis ça fait vraiment ce côté festif. Et en fait, ça fait boule à facettes, mais ça... Ouais, je sais pas. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'aime bien le motif en lui-même. Je trouve qu'il est joli, il est assez délicat. Donc voilà pour le pochoir. Hop. Je ne vais pas venir rajouter... comment ça s'appelle ? De contraste en noir ou de choses comme ça, puisqu'après, il y aura mon menu décrit dessus. Donc, je ne vais pas rajouter de choses plus foncées parce que sinon, on ne verra plus du tout mon menu. Je ne pourrai plus du tout écrire dessus, on ne verra plus rien. Hop, une petite lingette pour nettoyer mon pochoir. Hop, hop, hop. Donc, voilà. Hop. Et ensuite, je vais venir écrire le mot menu en haut de mon menu. Alors, je voulais tester si les lettres ne sont pas trop grandes avec la planche que j'ai pris chez la fée aussi, l'alphabet de la fée. Hop. Est-ce que je peux faire rentrer M-E-N-U 4 lettres ? En les collant, normalement, oui. Donc, je vais les tamponner hors caméra, mais du coup, vous verrez à la fin quand je vous le présenterai fini avec la déco de l'extérieur. Je vais venir à écrire le mot menu avec l'alphabet comme ceci. Et je pense que je vais le mettre dans le ton un peu or de la collection pour que ça matche bien avec. Du coup, je vous montre pour le menu. Il vient donc se glisser ici. Hop. Et si je ne me suis pas trompée, en hauteur, normalement, hop. Il arrive pile poil à la hauteur du papier à motif. Je suis contente, j'ai bien calculé. Pour une fois que je ne suis pas nulle en maths et que je ne me trompe pas, c'est une bonne nouvelle. Et je n'ai pas précisé, celui-ci s'appelle Alphabet Vide, parce que je crois qu'il y en a plusieurs d'alphabets. Celui-là, c'est l'Alphabet Vide.
Donc, je vais ressortir mon menu parce que je vais le mettre un petit peu sous presse parce qu'il est un petit peu voilé pour pouvoir coller mon titre après. Et nous, on va passer à la partie décorative des deux éléments. Hop, je vais juste enlever tout ça. Faire place nette. J'ai mis un petit coup de propre hors caméra avec un petit coup de pchipchit. Pour ce qui est de la déco du marque-place, j'ai eu une idée qui m'est venue tout de suite quand je l'ai reçue. Le tampon non monté boule à neige, j'avais vraiment craqué dessus et j'avais envie d'en faire quelque chose. Donc j'ai utilisé un petit dies rond comme ça, tout simple. Et je suis venue découper l'intérieur d'une boule de Noël. Donc voilà ce que ça donne. Hop! Ce qui permet qu'en fait vous avez un petit cadre autour que vous allez pouvoir faire ressortir de la couleur de votre choix par rapport à la collection que vous utilisez. Et en fait je vais venir le positionner comme ceci et je vais faire des marque-places pas nominatifs mais nominatifs visuellement j'ai envie de dire. Donc voilà, je vais venir ajouter des photos. Donc j'ai choisi une photo de mes poulettes au dernier Noël en famille qu'on a fait. Du coup voilà, je vais venir d'abord coloriser ma boule et ensuite je vais venir donc coller par-dessus ma photo. Ça me permettra voilà, de délimiter la hauteur où je veux la mettre, etc. Donc déjà on aura notre petite boule, je vais la positionner ici. Et pour la déco, j'avais sorti certaines petites choses, je vais voir ce que ça donne, si ça me plaît ou pas une fois positionnée. Donc je voulais mettre absolument, voilà comme c'est pour celui de ma puce, la petite danseuse. J'aurais bien voulu mettre une petite étoile et un petit point sépia comme ça. Alors, pour que ce ne soit pas qu'ils dépassent l'un de l'autre, parce que sinon, ça ne sera pas joli, quelque chose comme ça. Je voudrais mettre un petit texte. J'avais sorti une planche de l'année dernière, je crois, ou même de celle d'avant, où on avait les deux adorables, mais vraiment trop mignons. Et à l'époque, elle avait été en rupture très vite. Et du coup, je l'avais acheté beaucoup plus tard, mais je l'aime trop. On a les deux petits pingouins et on a le joyeux Noël. Donc, je vais essayer d'organiser ma déco pour pouvoir le tamponner ici. Et à côté, j'aurais bien voulu mettre Nounours comme ceci et le gros poinsettia. Ils sont vraiment beaux, ces poinsettia. Franchement, je les adore. Voilà, donc dans l'idée, c'est ce que je vais faire. Je vous montre de plus près pour mon petit marque-page. Il n'y a pas trop de lumière, j'espère que vous voyez. Oui, vous voyez. Et pour la déco de mon porte-couvert, pareil, je me suis sorti plein de choses. Mais je ne sais pas comment je vais les agencer. Donc, je voulais mettre des grands feuillages, histoire de donner un petit peu, voilà, d'accentuer ce côté en hauteur. Je voulais absolument le petit renne trop choupi, parce que je l'adore. Voilà, le poinsettia, vous voyez, on a deux sortes différentes. On en a où on a vraiment, comme ça, la fleur intégrée dans son feuillage. Et on en a deux versions, un petit et un grand, comme ça, où on a la fleur avec juste ces deux petites feuilles. Je trouve qu'il est très, très joli aussi, celui-là de poinsettia. Donc, dans l'idée, mes feuillages, si je veux qu'ils montent, il faudrait que je les positionne quelque chose comme ça. Peut-être mettre ouais, le petit renne pour masquer les tiges. Sa petite étoile en dessous, comme ça. Peut-être ouais, la petite étoile comme ça. Et venir positionner de ce côté mon petit casse-noisette, ma petite bouteille pour fêter ça. Et peut-être le petit poinsettia sur le côté du renne, comme ça. Ça ne me choque pas que ça dépasse. Ouais, je vais partir là-dessus. Ouais. Donc, je vous montre de plus près sur quoi je vais partir. Donc voilà, on a fait la déco, on a habillé avec les papiers. Maintenant, hors caméra, je vais faire mes petites colorisations et on terminera l'assemblage des deux et là, donc la construction pour terminer le petit marque-place dès que j'ai fini mes petites colos hors caméra. Alors, ça y est, j'ai fait toutes mes petites colorisations hors caméra. Vous pouvez les voir ici. Et on va ensuite, maintenant, pouvoir passer à l'assemblage de notre petit marque-place et de notre porte-menu couvert. Donc, ma petite boule, j'ai tamponné déjà mon joyeux Noël. J'ai juste, en fait, disposé autour mes éléments pour savoir, du coup, à quel endroit j'allais les placer. Hop, je vais venir mettre de la colle tout autour de mon cercle et je vais venir le positionner à la hauteur où je le souhaite sur ma photo. Hop. Alors j'essaye de ne pas mettre les doigts dans le noir parce que je ne suis pas sûre qu'il soit complètement sec. Hop. Et maintenant je vais venir découper ma photo. Hop. Pour pas qu'elle dépasse. Alors, je ne vais pas trop vite non plus parce que je ne veux pas abîmer
ma boule à neige en faisant un faux mouvement. Hop là. Donc voilà, mon petit cadre est fait. Je vais venir tout de suite lui mettre du scotch et le coller sur le côté de mon marque-page. Donc je vais mettre un petit bout ici et puis un petit bout juste au-dessus pour bien que ça tienne quand même à plat. Et hop, donc pour coller, pour pas vous tromper d'endroit, on a le rabat qui est en haut, l'arrière et l'avant se trouvent donc ici. Donc on se met bien à fleur du pli. Moi je vais la faire dépasser légèrement sur le côté. Hop là. Alors j'ai collé mais j'ai pas trop appuyé parce qu'il faut après pouvoir venir glisser vos différents éléments. Donc ma petite danseuse, elle va aller là. Je la mets en fait par-dessus pour pouvoir venir coller mon nounours. Parce que je veux pas qu'elle cache mon nounours. Donc pour pouvoir poser le nounours, il faut que je sache où s'arrête la fée. Voilà, comme ça. Hop, impec. Oups. Alors faites attention, faites pas comme moi, mon nounours, je l'ai collé jusqu'en haut, mais en fait, il ne faut pas qu'il aille sur jusqu'en haut. Donc je vais revenir rentrer mon scotch à l'intérieur pour plaquer à la bonne hauteur. Donc faites plutôt en plié comme ça. Ça sera moins dangereux que la bêtise que j'ai failli faire. Ensuite, un petit bout de scotch pour faire coller mon poinsettia. Poinsettia, je ne sais jamais comment on dit. Voilà, ici. Hop. Ensuite, je vais venir coller mes petites décos qui vont sur la boule directement. Alors, ce que j'aime bien avec cette boule à neige, c'est qu'elle n'a pas de décor. Souvent, quand on a des tampons boule à neige, ils ont toujours toute une déco en bas. Et on en parlait l'autre fois avec avec des copinettes de scrap. Et on disait, c'est vrai que quand si la boule n'est pas décorée, elle peut servir pour d'autres... je sais pas comment expliquer. Pour d'autres choses, en fait, moi, je sais que j'aime bien, quand je vais quelque part, ramener des petites boules à neige de l'endroit parce que je trouve que c'est joli. Et du coup, si elle est déjà Noël, ben, on peut rien mettre d'autre que du Noël dessus, du coup, je trouve. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Là, je vais prendre deux petits scotch fins juste pour mettre, si je le retrouve. S'il veut se faire retrouver. Ah ben, il est... Vous pouvez pas voir, mais il était vraiment... Quand je vous dis qu'aujourd'hui je fais que des katas, je vois rien en plus et je deviens bigleuse complet. Donc là, je vais mettre juste un petit point de scotch là. Et puis après, pour le reste de ma petite danseuse, je vais mettre de la colle. Parce qu'elle est tellement fine que c'est compliqué de venir coller autrement. Hop. Je vais la retourner délicatement. Hop, essayer d'attraper tout doucement. J'ai failli faire une cata si j'avais mis de la colle sur ma photo, c'était foutu. Je fais des bêtises. Hop là, là on est bon. Donc là, je vais venir la mettre à sa place, donc dans le petit creux, entre le nounours et mon cadre. Hop. Puis je vais la maintenir bien plaquée un petit moment, quelques secondes, histoire qu'elle tienne. Hop là. On est bon. Maintenant, je vais venir mettre du double face sur cette partie-là. Alors, j'aurais pu mettre de la colle, hein, parce que le double face, c'est des fois, ça tient pas très bien. Mais là, je pense que ce sera largement suffisant, vu qu'elle aura son poids qui appuie dessus. Ça devrait le faire sans problème. Et ensuite, quand vous venez fermer, vous mettez bien à fleur avec la partie du dessous pour pas qu'elle dépasse. Sinon, ça ne sera pas joli. Et après, il vous suffit de bien appuyer. Et voilà, votre petit marque-classe est fait. Et il tient bien tout seul. Ah, j'adore. J'ai trop hâte du coup de... de faire toute ma déco de table, ça m'a donné envie. J'ai eu très très peur quand la fée m'a montré les collections, de partir sur la collection Noël parce que j'avais peur de pas du tout être inspirée. Quand je les ai vues, on était encore au mois d'août. Donc du coup, je me suis dit, ah non, mais Noël, c'est juste pas possible, quoi. Je vais pas y arriver. Ça m'inspire pas, ça me fait pas envie, etc. Enfin, j'étais vraiment stressée par l'idée de devoir scraper Noël si tôt. Et au final, quand on s'y met, bah, c'est, bah, ça reste du scrap, quoi. Et puis, je trouve que cette collection, ça change. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que j'aurais déjà vu vos avis sur le visionnage du haul, mais dites-moi ce que vous en pensez de cette collection, si vous aimez ou pas du tout le fait que ça ne soit pas des couleurs traditionnelles. Moi, j'avoue que j'appréhendais un peu en pensant qu'il y avait une collection Noël, quand je me retrouve sur du vert, rouge, blanc.
un peu de brun. Voilà, on a vu aussi beaucoup de collections de Noël dans les tons de brun et ça, je n'aime pas du tout. Pour moi, c'est tristounet. Enfin, j'aime bien là qu'il y ait du brun, du beige. Voilà, ça ne me gêne pas. Mais alors, tout dans des tons de brun, j'ai vraiment, vraiment du mal. Je trouve que c'est pas. Bah, c'est pas pour moi les couleurs de Noël et j'ai vraiment du mal avec ça. Et par contre, le Noël tradit rouge, vert, blanc, je ne peux plus. Perso, ça m'aurait été très compliqué parce que bah, j'en ai beaucoup scrapé, j'en ai beaucoup vu. Et franchement, j'ai vraiment du mal avec ce combo-là maintenant. Pour moi, c'est trop. Bah, c'est trop le combo facile, j'ai envie de dire. Donc, j'avais vraiment envie de quelque chose de différent. Et quand j'ai vu le combo, je me suis dit, ah ouais, ça change. Voilà, travailler dans des tons de bleu pour Noël, bah, je ne l'avais jamais fait. Et finalement, j'avais un peu peur du rendu, mais j'aime beaucoup. Alors, bien sûr, hein, je vais les utiliser certainement mes petits personnages sur d'autres créas. Là, quand ça ne sera pas mixé avec les papiers, par exemple, bien sûr, je vais m'éclater avec des tons peut-être plus tradis pour celles qui aiment bien, etc. Puis moi aussi, j'aime bien aussi faire du Noël entre guillemets plus classique. Mais là, franchement, je m'éclate avec ce combo couleur. Je trouve que c'est doux et. C'est hivernal en plus, du coup je pense que c'est des papiers. Alors ceux qui ont les petites étoiles, peut-être un tout petit peu moins, et encore. Mais je me dis qu'on peut les utiliser voilà, sur des créas hivernales, ceux qui vont en ski ou ce genre de choses, ils peuvent tout à fait le faire aussi. Donc voilà pour mon petit porte-couvert, je vais y arriver, je ne veux pas lui dire son nom, lui, depuis le début. Je vais juste récupérer mon petit tag de menu. Sous ma petite pile de bouquins. Alors j'ai écrit le mot menu. J'ai complètement zappé de le tamponner et de le coloriser. Donc je le ferai après. Voilà, pour ma déco. C'était juste pour vous montrer fini ce que ça donne. Donc voilà. Avec son petit menu à l'intérieur. Donc petit marque-place et petit porte-couvert et menu. Franchement, moi j'adore ces coloris. Je vais m'éclater, je pense, avec cette collection. Bon, après, je m'éclate avec toutes les collections de la fée, j'ai envie de dire. Elles sont vraiment très sympas. Puis franchement, moi, ce que j'adore, c'est que voilà, on a tout, quoi. On a de quoi faire de la déco, on a des feuillages, on a des grands feuillages qui sont coordonnés aux petits feuillages. Moi qui adore faire des montages, je trouve ça trop, trop top. Voilà, ce petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!